Parce qu'ils sont focalisés sur ce groupe-là. La relâchée, la personne n'est plus dangereuse. L'équipe d'intervention se focalise sur le danger. La frappe et la neutralité. Deuxième cordon. En fait, le chien ne travaille vraiment pas pour une personne qui ne l'apprécie pas. Pour le chien, il faut que ça reste un plaisir et le chien travaillera vraiment pour son conducteur. Ça reste une passion avant un métier.